La simple mention de nom d'origine qatarien dans toute action, grande ou petite, est suffisante pour alerter les services de renseignement et les institutions de sécurité qui ont une doctrine bien établie selon laquelle le régime de Tamim est lié au soutien de terroristes. Le télégraphe du Royaume-Uni a révélé un avertissement du groupe de surveillance des organisations caritatives britanniques concernant la relation entre une organisation caritative britannique et une association de mafia qatari, qui a été classée comme organisation terroriste dans plusieurs pays. Bien qu'aucun incident direct d'appui au terrorisme n'était pas saisi à l'heure actuelle, le comité exprimer des préoccupations à propos de l'intégrité de la fondation de Tamim, qui compte des millions de personnes et des milliers de petites entités. Elle a averti que ces mesures suspectes pourraient constituer une tentative d'empêcher les services de sécurité de retrouver ces fonds et d'empêcher leur accès aux cellules terroristes. Le comité d'organisation des associations caritatives britanniques s'intéresse depuis 4 ans au contexte de la Qatar Foundation, après avoir découvert que 98% de son financement provenait directement de Doha, contrairement aux organisations caritatives qui reçoivent des fonds de plusieurs pays. En dépit des tentatives de manipulation de la mafia qatarie, il a changé le nom de Qatar Charity au Royaume-Uni en nectar russe. Toutefois, les rapports de sécurité ont montré qu'elle avait reçu 28 millions de livres directement de Doha. Le Guardian a révélé en 2017 que l'institution qatarie était dirigée par Youssef Al-Kouaï, un ancien responsable du pays qui a créé un site web pour propager la haine et les idées de terroristes. Et les idées terroristes.